Bonjour à tous et bienvenue à la microferme du Bourbonnais. Vous êtes sur la chaîne Rémi, le permaculteur maraîcher du Bourbonnais. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui les amis pour une nouvelle vidéo où on va tout simplement aujourd'hui je vais vous montrer. Alors je suis accompagné de Thomas. On va vous montrer bien tout simplement le semis du persil à la microferme du Bourbonnais. Alors le semis du persil, et oui c'est la saison. Et puis surtout on va vous montrer donc comment on fait pour semer le persil à la microferme. Allez maintenant c'est parti. Et voilà, donc les outils qu'on va utiliser tout simplement pour faire ce semis de persil, c'est bien entendu le JP1, mais pas que. On va aussi utiliser, comme vous pouvez voir, je vous présente Thomas, ici le râteau, et puis la petite balance qui est juste ici, qui va nous permettre de peser les graines, comme vous avez pu le voir sur la vidéo, tout simplement du semis de carottes. On vient peser, ensuite on met dans le JP1, et ensuite à la fin du semis, on repèse les graines pour voir la quantité qu'on a mis sur le sol, voir si le semoir a bien fonctionné. Allez maintenant, on commence tout de suite. C'est parti. Voilà les amis, le premier outil qu'on va utiliser bien entendu, c'est ce râteau. On va venir, comme vous connaissez un petit peu, venir lisser la planche pour la préparer. Alors, je ne vous redis pas l'itinéraire technique qu'il y a eu par rapport à cette planche. Je vous l'ai déjà dit dans les lives, etc. etc. Si vous avez des questions, n'hésitez pas juste en dessous dans les commentaires. C'est fait pour. Et puis, si vous voulez partager aussi vos vidéos, vos photos, n'hésitez pas d'aller sur le Discord de la chaîne. Donc voilà, on va commencer tout de suite et on va vous montrer la première étape, la préparation de la planche. C'est parti. Voilà, maintenant on vient d'effectuer la première étape et on passe à la deuxième étape, le semis avec le semoir JP1 qu'on va vous représenter tout de suite de plus près. Voilà, alors je vais vous représenter le JP1 pour ceux qui ne l'auraient pas bien vu. Alors le JP1 c'est tout simplement ce semoir, donc comme vous pouvez le voir il est réglable, c'est-à-dire qu'ici on peut régler la longueur du manche. On a aussi ici, comme vous pouvez le voir, des petits pignons qui eux permettent tout simplement de pouvoir régler. Donc ici, alors vous ne le voyez pas parce qu'il est à l'envers, c'est pas grave, je vais vous le remettre dans le bon sens. Hop, voilà, ici vous pouvez voir, donc juste devant, je vais vous montrer, vous avez donc ici des pignons qui permettent donc de tout simplement régler l'espacement que vous voulez sur votre semis. Donc vous voyez ici, il y a cette chaîne, donc cette chaîne tout simplement est entraînée par ces pignons. Donc ces différents pignons, on vient les changer, ce qui va tout simplement faire le changement de la distance. Clairement, si vous voulez mettre une graine par exemple tous les 2,5 cm, vous allez utiliser les pignons qui sont justement expliqué ici. Donc là vous avez un petit tableau qui vous montre exactement quelle est la dent à mettre à l'avant, la dent à l'arrière, pour atteindre ensuite en fonction du nombre de trous que vous avez sur votre rouleau la distance souhaitée. Donc voilà, tout simplement vous allez venir mettre les bons pignons pour pouvoir ensuite atteindre la distance souhaitée. Ici vous avez bien entendu le semoir, donc qui se trouve ici avec la petite plaque où vous avez tout. Ici, tout est numéroté, c'est-à-dire que votre graine, vous allez venir la positionner et vous allez passer votre doigt. Si vous sentez que la graine ne dépasse pas, c'est que vous avez trouvé la bonne taille tout simplement du rouleau. Et ensuite, vous allez venir mettre le bon rouleau à l'intérieur. Je vous l'ai déjà montré. Pour ceux qui veulent revoir, vous pouvez aller voir la vidéo sur le semis de carottes avec le JP1, où vous avez donc toute l'explication en détail du fonctionnement. Donc voilà, je ne vais pas m'attarder trop sur le détail du JP1, vous l'avez déjà un petit peu vu. Je voulais vous remontrer pour ceux qui ne le connaisseraient pas. Et puis si vous voulez plus, hop là, si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires juste en dessous de cette vidéo. Alors maintenant, on va passer à la suite et on va vous montrer le semis. Bien entendu, au préalable, nous avons déjà choisi notre rouleau. On a mis bien entendu les graines et on va maintenant effectuer le semis. Et ça se passe maintenant. Voilà, nous allons maintenant effectuer le premier passage avec le JP1 et on commence le semis tout de suite. Thank you.
Et voilà les amis, on se retrouve bien maintenant pour la présentation de l'arrosage. Alors oui, j'ai fait des gros travaux sur la ferme. J'ai installé bien tout simplement ce système. Alors ce système, ça marche comment? C'est tout d'abord un PE de 25, voilà, spécial irrigation avec la bande blanche que vous pouvez voir ici. Ensuite, eh bien, il y a un système tout simplement de vannes quart de tour qui vient juste en dessous pour pouvoir fermer et ouvrir tout simplement chaque système. Donc ici, on a un aspergeur, voilà, qui peut, donc c'est la marque Aux Oiseaux, je ne veux pas les citer, mais vous connaissez tous, une marque très connue au niveau professionnel. Et donc, eh bien, je viens tout simplement ouvrir ce quart de vanne et ensuite, tout est contrôlé automatiquement par mon Apple Watch. Concrètement, moi je peux gérer voilà, mon jardin en ouvrant certaines zones, en sachant que ici cet aspergeur couvre une totale de 10 planches. Voilà, donc il y a 10 planches de culture qui sont couvertes tout simplement par cet aspergeur. Donc je viens eh bien, tourner cette vanne quart de tour ou la fermer au besoin des différents jardins que je vais arroser en fonction eh bien, de. Comme là je viens de faire mon semis tout simplement de persil. Donc on va venir arroser eh bien cette partie-là tout simplement du jardin. Vous allez voir le fonctionnement, donc je vous le mets en fonctionnement. Voilà, vous pouvez voir que là, forcément, le réglage, je viens de le faire. Donc, vous voyez déjà que le sol est déjà mouillé, hein, c'est normal parce que je viens de faire un petit réglage juste avant. Et donc là, c'est parfait. Donc là, le système est en fonctionnement. Et maintenant, moi, je vais venir tout simplement l'éteindre. Alors forcément, comme je vous l'ai dit, il y a de la pression, donc ça ne s'éteint pas instantanément. Éteint arrosage. Et vous allez voir maintenant, regardez, je reste ici, vous êtes en temps réel. Vous allez voir tout simplement l'arroseur qui va diminuer jusqu'à un moment où la pression va diminuer et ça va vraiment s'éteindre complètement. Alors ça dure longtemps forcément parce que quand on a entre 4 et 6 bars actuellement, il tourne à 6 bars de pression sur l'intégralité de la ferme et je peux régler plus ou moins grâce tout simplement à mon surpresseur. Donc là vous pouvez voir que déjà on peut voir que le jet commence de diminuer plutôt pas mal. Là vous voyez que ça y est, ça commence à diminuer de plus en plus. Donc ce qui est bien, c'est que même quand la pompe ne fonctionne pas, ben, il y a encore un peu de pression dedans. Donc le principe, hein, pour ceux qui connaissent, voilà, les surpresseurs avec un ballon et une réserve, donc ce qui fait que ça continue comme ça et ensuite ça réenclenche la pompe et la pompe ne tombe pas tout le temps H24. C'est plutôt pas mal. Donc là on voit vraiment que ça diminue fortement. Voilà, là vous pouvez voir que c'est quasiment arrêté et normalement il va se stabiliser voilà, sur une zone. Et donc là, vous voyez, ça y est, il est stabilisé. Donc là, c'est clair, plus assez de pression, et il va totalement s'éteindre. Maintenant, je vais le remettre en fonctionnement. Allume arrosage. Et donc là, ça y est, il vient d'être allumé. La pompe se réenclenche. Vous allez voir qu'il va se remettre à fonctionner et à retourner de plus en plus vite, de plus en plus fort. Voilà, donc concrètement, la domotique me permet ici d'être au milieu de ce jardin. De pouvoir tout simplement, là vous voyez ça, il est parti à fond, d'être au milieu de ce jardin et de pouvoir tout simplement bien faire fonctionner mon système sans avoir besoin de me déplacer, d'allumer ou de passer tout simplement par des électrovannes. Donc là je peux vraiment à l'instant T ouvrir, fermer. Et en fait moi c'est ça le côté facile que j'ai voulu mettre en place, c'est que la vanne, si j'ai pas besoin du jardin, je la ferme. Si j'ai besoin d'ouvrir 3 jardins et que moi je pars, et bien je peux arroser ces 3 jardins qui en ont besoin, ou ces 5 ou ces 6 jardins. Donc voilà. Donc là je vais vous l'éteindre. Éteint arrosage. Et voilà, le système va s'éteindre à nouveau. Alors, je vous montre comment ça se passe. Ça se passe comme ceci. Éteint arrosage. Voilà. Donc là, vous pouvez voir que ça y est. Ça vient de s'arrêter. J'ai eu le petit bruit. Je ne sais pas si vous avez entendu. Et donc, on va voir tout simplement ici. Que ça va vraiment diminuer jusqu'à un moment, ça va se stabiliser, hein. Et concrètement voilà, quand il n'y a plus de pression après dans les tuyaux, ça diminue très vite. Donc là on voit déjà que ça commence à ralentir. Alors l'avantage de ce système, c'est que je peux mettre une programmation pour par exemple mettre soit qui s'enclenche régulièrement, je sais pas, tous les jours pendant une heure, ou soit encore je peux mettre tout simplement un minuteur, une minuterie qui va faire qu'il va s'éteindre automatiquement au bout de 30 ou 40 minutes en fonction de combien j'ai besoin. Alors comment, il me reste encore tous les réglages à faire pour ceux qui se posent des questions, voilà, sur la quantité d'eau, etc. Vous aurez tous les détails dans la vidéo de l'irrigation. Pour l'instant, j'ai pas encore fait justement tous ces calculs, je dois les faire prochainement par rapport aux réglages, mais ça sera dans une prochaine vidéo. Ça y est, vous voyez que là, il diminue franchement. La pression est vraiment en train de diminuer et on voit qu'il n'y a plus beaucoup de pression dans les tuyaux. Donc là, vous voyez, l'irrigation est en train de se faire sur les planches. Et là,
Ah, ça y est, vous voyez, là, il est quasiment bloqué. Voilà, donc là, vous voyez, ça y est, il est en fin de course, il ne développe plus. Et on va maintenant, donc là, vous voyez bien, et je vais vous montrer comment ça se passe. Donc là, on voit, ça y est, il fait encore son petit quart de tour. Je pense que c'est le baroud d'honneur. Voilà, donc là, on peut voir qu'il est vraiment... On va attendre qu'il diminue au max. J'espère que vous n'êtes pas pressé. Hein. Vous allez voir dans quelques instants. Voilà, donc là, il est vraiment bloqué dans cette position. Et donc là, ça y est, on voit que c'est la fin. Il ne repart plus. Hein. Là, vous voyez, ça y est, il est bloqué. Et on voit que ça y est, il est en train de s'arrêter complètement. Donc là, ça y est, vous voyez, là, c'est le G, c'est terminé. Donc là, il est en train de s'arrêter, faire son dernier petit baroud d'honneur. Voilà. Et donc là, vous voyez, on voit très bien qu'il n'y a plus rien. Donc maintenant, on va le renclencher. Allume arrosage. Voilà, et regardez, maintenant il va repartir. Là, on voit tout de suite que ça y est, ça recommence. Il est en train de remonter en pression. Et là, vous allez voir, dans très peu de temps, la pression va être telle. On va pas tarder d'atteindre les 6 barres de pression. Et ensuite, il va vraiment... Voilà, c'est reparti. Donc voilà. Vous avez pu voir en tout cas le fonctionnement eh bien, de mon système d'irrigation. Alors voilà, que je gère grâce à la domotique, qui est quand même très simple. Sachant qu'il n'y a pas que ça qui est géré grâce à la domotique sur la ferme, il y a plein d'autres éléments. Hein. Donc voilà, ça c'est important aussi de le savoir. Donc là voilà, là je vais le mettre tout simplement une petite mini-prix pendant 30 minutes, le temps que ça roule bien toutes les planches. Et puis voilà. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous avez pu voir donc le semis, eh bien on a semé donc 50 mètres de persil avec le semoir JP1. Voilà, donc j'étais accompagné de Thomas pour tout simplement ce semis par ce temps magnifique. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très bientôt pour de nouveaux lives et de nouveaux podcasts. Surtout n'oubliez pas que vous êtes formidables. À très bientôt, ciao ciao.